Shavua Tov, Chodesh Tov, mes amis. On va faire un petit point sur la paracha Bamidbar, qui est une paracha essentielle pour la préparation à Matan Torah. Le Rabbi nous explique au début du Dvar Maharout qu'il y a toujours un lien très profond entre le jour dans lequel tombe chaque fête. C'est-à-dire que par le fait qu'une fête tombe un jour de la semaine, lundi, mardi, vendredi, alors l'éclairage de la fête, il va avoir lieu un éclairage particulier par rapport au jour. Et donc, comme cette année, le Shavuot tombe Yom Shishi, et pour le enroule aussi Yom Shabbat, donc on va voir le lien qu'il y a entre Yom Shishi et Shabbat. L'année où le Rabbi a fait cette sira du Dvar Malchut de Parashat Bamidbar, c'était le contraire, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord Shabbat, et ensuite il y avait dimanche et lundi qui étaient les jours de Shavuot. Et donc le Rabbi nous dit qu'une chose est sûre, c'est que la Torah nous a été donnée un jour de Shabbat. Et c'est exactement la même configuration que cette année, bien que, effectivement, Vav Sivan, ce n'est pas Shabbat, c'est vendredi, parce que les Rachamim ont institué que dans la Galoute, il n'y a jamais, le don de la Torah n'est jamais Shabbat. Et donc le Rabbi nous explique le lien qu'il va avoir entre le Shabbat, Matan Torah et Bamidbar. Donc commençons par comprendre qu'est-ce qui s'est passé le premier Shabbat, le premier vendredi où Dieu il a créé le monde. Il a créé un monde parfait. Mais pourtant, il manquait quelque chose d'essentiel à la création. C'est la menorah, le repos. Et comme c'est écrit, vient Shabbat, vient la menorah. Et donc le lien qu'il y a entre Shabbat et la menorah, il est indissociable. Et comme on peut le voir d'ailleurs dans les tfilot de Shabbat, comme on voit dans le Birkat Hamazon, où on rappelle que le Yom Shabbat, c'est le Yom de la menorah, que Yom Shabbat, c'est Yom Shekulo Shabbat, et que Bezrat Hashem, ça va nous amener vers le Shabbat de la Geoula, qui est Yom Shekulo Shabbat et Chaye Olamim. Et donc, toute la Mahou, toute l'essence de Shabbat, c'est la Menorah. Et c'est aussi la Geoula, c'est aussi la Mahou, c'est la Menorah. On va comprendre qu'est-ce que c'est cette Menorah, ce repos qui est lié à Shabbat et avec la Geoula. Même on voit dans la Tfila de l'après-midi, la Tfila de Mincha, qui on dit qu'elle est la Tfila la plus haute, encore une fois, on rappelle que Shabbat, c'est le Yom Menorah. Donc maintenant qu'on a compris que Shabbat c'est le Yom HaMenorah, quel est le lien maintenant avec Shavuot? On a dit que le Shabbat, quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, le sixième jour, c'est écrit Yom HaShishi. Et on se demande pourquoi c'est écrit HaShishi, pourquoi il y a un « et » dans les autres, quand Dieu a créé les autres jours, on ne voit pas Yom HaShlishi ou Yom HaRevi, il n'y a pas le « et ». Pourquoi là il y a un « et » Alors les Chachamim nous expliquent que ce « et » c'est pour nous dire attention, il y aura quelque chose de spécial, ce chichi, un chichi, il y aura quelque chose de spécial. Et c'est quoi ce chichi? C'est le yom de Matan Torah, qui est le Vav Sivan, donc c'est le yom chichi. Et qu'est-ce qu'on nous explique? C'est que quand Dieu il a créé le monde, il a créé le monde à condition. Il a dit au monde, je crée le monde à condition que le yom chichi, le six Sivan, quand je vais donner la Torah, et les bénis Israël, s'ils acceptent la Torah, alors je maintiendrai le monde. Et si Israël n'accepte pas la Torah, je ramènerai le monde à Tohu. Et d'ailleurs, il y a un pasouk de Tehilim qui explique ça, puisque c'est écrit « Eret Yera Veshkata ». Yera, ça veut dire que le monde avait peur. Et Shkata, il est devenu Sheket quand les bénis Israël, ils ont accepté la Torah. Et donc, on voit tout de suite déjà le lien avec Matan Torah, que Matan Torah, il a apporté aussi la menorah dans le monde. Donc on comprend donc que Shabbat il a amené la menorah et le Matan Torah il a amené la menorah aussi. Pour comprendre tout ça, on voit comment Hachem il a créé le monde. Hachem il a créé le monde avec le temps et l'espace. C'est-à-dire que le monde il est tout le temps conditionné par le temps et l'espace. Et comme on voit dans notre vie tous les jours, ça, le temps passe et il file, et on peut dire même qu'il file de plus en plus. On sait bien que le temps futur, il est déjà présent et il est déjà passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prise sur le temps. Le temps, il continue d'avancer. Et ça nous perturbe, ça empêche le repos parce qu'on a toujours cette course et on est toujours soumis à cette pression du temps. Et aussi l'espace, puisque bien entendu, on n'est pas la même chose quand on est à la maison, quand on est dans le bus, quand on est au travail. À chaque fois, il faut se reconditionner par rapport à l'endroit. On réagit d'une autre manière quand on est en dehors que quand on est chez soi. Donc on voit que tous ces pressions du temps et de l'espace, ils ont un impact très très grand sur nous et ils nous empêchent d'avoir un repos. Alors, comment faire? Et donc, on voit que toute la semaine, on est soumis à ces pressions-là,
que, en plus avec toutes les informations qui nous viennent, on va passer d'un moment joyeux à un moment triste et un stress. Et on est tout le temps en train de courir. Et quand, sauf avec Shabbat, ouf, c'est un temps de menorah. On va essayer de comprendre pourquoi c'est la menorah Shabbat. En fait, le Shabbat, il nous coupe du temps. On voit bien que quand on rentre dans Shabbat, on n'a pas d'informations qui nous viennent de l'extérieur. Et le temps, il est géré d'une autre manière. Et on est l'endroit aussi, puisqu'on on est chez nous, on va à la choule. Mais enfin, on ne change pas beaucoup de fois d'endroit. Ce qui fait qu'on prend conscience et on a du temps pour réfléchir. Et on voit que tout Shabbat, il se reconditionne et nous appuie sur la nekouda essentielle, c'est de se rebrancher sur Akadosh Baruch Hu. Que tout Shabbat, on va comprendre que tout ce qui se passe dans la semaine, c'est Akadosh Baruch Hu. Et que Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur du monde, c'est celui qui gère le monde à chaque instant. Et que tout ce qui se passe dans le monde, c'est géré par lui. Donc on voit que quand on se reconnecte à Akadosh Baruch Hu, alors on reprend des forces. Et d'ailleurs, on le voit bien que le Yom Rishon, on ne dit pas Yom Shmini, normalement on devrait continuer Yom Shini et Yom Shmini, on dit Yom Rishon. Pourquoi ? Parce que le Shabbat, il nous met au-dessus du temps, et ce qui nous permet de couper avec toute la semaine, et après on a les forces pour rentrer dans la semaine. Et le Rabbi nous dit que le Shabbat, c'est vrai qu'il nous reconnecte à Kadosh Baruch Hu, mais il ne nous amène pas la menorah complète, il ne nous amène pas le repos complet, parce que Shabbat, oui, on se reconnecte avec Akadosh Baruch Hu, mais il nous manque une nekouda. C'est quoi cette nekouda ? C'est de savoir pourquoi Dieu il a créé le monde et quel est mon travail dans le monde ? Pourquoi moi je suis dans le monde ? Et qu'est-ce qui va me répondre à cette question ? C'est justement Matan Torah. Matan Torah, il a donné, Akadosh Baruch Hu, il a révélé le but du monde, puisqu'on sait que Dieu il a créé le monde pour la Torah et pour le Am Israël. C'est les deux réchites. Donc grâce à la Torah qu'Hachem nous a donnée, on va pouvoir réaliser le but du monde. Et le but du monde, c'est de faire Dira Betartonim, une maison à Kadosh Baruch Hu. On va révéler à Kadosh Baruch Hu dans les endroits les plus bas du monde grâce à la Torah qui nous a donné. C'est donc révéler la volonté unique, le seul but du monde, dans une multitude de détails. Et c'est ça tout notre travail. Et quand on prend conscience de ça, ça nous amène à un repos. Pourquoi ? Parce qu'à chaque instant, on sait qu'on remplit notre fonction, on remplit le but de notre vie. Et quand il arrive des moments où on ne sait pas où on est, on ne sait pas qu'est-ce que Hachem veut de nous, alors on peut se référer à la Torah. On peut regarder dans la Torah, puisque la Torah, c'est la Shon Hora'a, c'est un enseignement. Et si on ne trouve pas la réponse dans la Torah, on peut demander à un Rav, on peut demander à notre Mashpia, on peut écrire dans Igrot Kodesh. Et là, on va trouver la réponse. Qu'est-ce que Hachem il veut de moi à ce moment précis. Et le fait qu'on est rassuré sur la fonction, le but pour lequel on existe, et qu'à chaque instant, on est occupé que par ce but-là, alors ça nous ramène une grande, grande menorah. Et d'ailleurs, en tant que femme, on peut vraiment ressentir ça. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, dans le travail de la maison, toutes les tâches, une par une, alors ça nous paraît très difficile. Mais quand on arrive à relier toutes ces tâches dans un but précis, par exemple quand on prépare Shabbat, qu'on sait qu'on doit faire le ménage, qu'on doit faire ci, on doit faire ça, mais que tout est dirigé vers le Shabbat, alors c'est beaucoup plus facile d'atteindre le but et ça nous donne beaucoup plus d'énergie et on arrive à remplir ce but beaucoup plus facilement. Alors quelqu'un qui n'a pas un seul but, c'est-à-dire un seul objectif dans sa vie, mais qui a beaucoup de choses différentes, alors il va être très perturbé parce qu'à chaque fois, il va être confronté avec des choix. Il va dire qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, ça ou ça. Et il va toujours chercher, il ne va pas être comblé. On retrouve aussi cette nekouda dans le travail de Avodat Hashem. On voit qu'on est toujours dirigé vers la Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Même dans la multitude de mitzvot qu'on a, chaque chose, le point commun de toutes, c'est faire Ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit que ça s'exprime même en nous. On voit bien que nous, on a le cœur qui est comme les sentiments et le cerveau qui nous dirige. Et que quand le cerveau, il est justement branché vers Akadosh Baruch Hu, alors il donne l'impulsion au cœur. Et que même si le cœur, il est un peu égaré, alors le cerveau, il va le ramener. Et c'est toujours ce travail qui est fait de, un, c'est le cerveau, et le cœur, il est confronté à beaucoup de détails, mais il faut arriver à le rapprocher et à le réunir toujours avec le cerveau. Et comme on sait, comme c'est écrit dans le Tanya, Amor Shalit à la lève, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui dirige le cœur, et que le Rabbi nous dit que justement, par le travail qu'on va faire d'étudier et de se comporter avec ce but-là, ça va imprimer même dans notre cœur le sentiment de repos et de retourner toujours vers Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit comment arriver à ça. Eh bien, il n'y a qu'un seul conseil, c'est le bitoul.
Le bitoul va nous permettre d'intégrer cette notion-là. Bien sûr, le bitoul, ce n'est pas être effacé complètement, comme on l'a vu déjà la semaine dernière. Le bitoul, c'est de pouvoir intégrer la force d'Akadosh Baruch Hu en nous et de pouvoir utiliser ce potentiel qu'Akadosh Baruch Hu nous donne dans toutes les choses de la vie. Et le Rabbi nous donne un exemple avec la tfila. On sait que déjà, on nous dit que le servant du Meller, il devient Meller. Et on voit ça donc dans la tfila. On pourrait prendre la différence entre deux personnes qui seraient invitées dans le palais du roi, et on aurait un grand riche avec très connaisseur d'art et un autre pauvre qui n'a aucune connaissance. Le connaisseur d'art, il va rentrer dans le palais et il va être émerveillé par tout ce qui se passe dans le palais et il va un peu oublier le but de sa venue, alors que le pauvre, il va directement aller avec le roi et devant le roi et il va pouvoir épancher son cœur devant le roi. Tout ça, c'est pour nous expliquer que des fois, quand on a beaucoup de connaissances, alors on rentre dans nos connaissances et on oublie bien souvent le but. Et donc, il faut savoir utiliser notre cerveau pour servir à Kadosh Baruch Hu. On a besoin de notre cerveau, on a besoin de notre personnalité, mais elle doit être toujours dirigée vers Akadosh Baruch Hu et vers le but ultime, unique de notre vie. Et on retrouve même ce même point dans le Matan Torah. On voit que quand Akadosh Baruch Hu nous a proposé la Torah, la première chose qu'on dit les Bnei Israël, c'est Naaseh V'Nishma. On va faire et après on va comprendre. Et grâce à ce bitoul qu'ils ont eu d'accepter la Torah tout de suite sans savoir ce que c'était, alors ça provoquait le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu, ça lui a donné l'envie de nous donner la Torah. Et c'est toute cette nekuda que le Rabbi développe dans tout ce Dvar Malchut, c'est que plus on va être bitoul et plus on va déclencher chez Akadosh Baruch Hu l'envie de nous donner. Par le fait que qu'on a accepté de recevoir la Torah, on a accepté Akadosh Baruch Hu comme roi sur nous. Et par ce fait-là, alors Akadosh Baruch Hu, il est devenu roi sur le Am Israël et il nous a donné les commandements. Et on voit, c'est exactement la même chose avec Mashiach. Par le fait qu'on accepte le roi Mashiach, qu'on accepte le Rabbi comme roi Mashiach, alors il va se dévoiler comme roi Mashiach. Et tout ça, en fait, pour nous dire que tout est dans notre main, tout est dans la fonction comment on va s'annuler au roi. Et cette idée-là, elle se développe aussi dans Sfirat HaOmer, que chaque jour, on avance vers le même but, et avec la multitude, que chaque jour, il est différent, mais c'est aussi pour le même but. Et donc, on arrive à Matan Torah, et on reçoit le cadeau, puisque on compte 49 jours, et le 50e, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donne. Et cette Nekuda aussi, on la voit dans le désert. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah dans le désert, qui est le désert où c'est vraiment l'endroit du bitoul. C'est aussi pour nous faire comprendre que dans cet endroit-là, où il n'y a rien du tout, où c'est l'antithèse de la vie, même dans cet endroit-là, la Torah, elle peut changer l'endroit. Et c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, que même dans le monde qui nous paraît opposé à la divinité, Akadosh Baruch Hu nous donne la force de le révéler dans chaque endroit du monde. C'est aussi la même idée dans le fait que dans la paracha, on nous parle que Akadosh Baruch Hu, il a compté. On retrouve encore la même idée quand Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de compter le Am Israël et que justement le fait de compter chacun qui est différent pour un compte unique. Et c'est aussi cette idée de différence qui fait une seule chose. Et donc, par tout le travail qu'on va faire pour recevoir la Torah, pour étudier de plus en plus, et pour faire cette inyan de Hardout, comme on a dit, qui est Ishechad, Belel Echad, alors ça fait que chaque année, on reçoit la Torah avec une lumière différente, une lumière beaucoup plus haute que l'année d'avant. Alors que Bezrat Hashem, par tout le travail qu'on va faire de se préparer à ce grand matin Torah, qui sera Bezrat Hashem, Torah Hadasha, Mikitetse, on va recevoir la Torah éternelle et on va rentrer dans le Shabbat éternel. Et le Rabbi nous rajoute même à la fin que la fête de Shavuot, elle est liée avec Moshe Rabbeinu, puisque c'est lui qui nous a donné la Torah, avec David Ameler, parce qu'il y a eu la Iloula, il y a la Iloula pendant Shavuot, et donc on a les Teilim grâce à David Ameler, et aussi le Baal Shem Tov, c'est sa Iloula, et donc on a le Tania aussi, qui est la suite de tout l'enseignement du Baal Shem Tov, et donc de prendre une bonne décision pour rajouter dans le Chitat, et que si on prend ces trois grands bergers d'Israël, alors ça fait Miyad, et que donc par tout notre travail, on arrive à déclencher Miyad, 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 la Geoula Shlema, en rentrant dans le Shabbat, et Chaye Olamim. Et donc on se souhaite une Kabbalat HaTorah, Bessimcha, Bepnimiut, et que Bezrat Hashem, ça soit la Torah Hadasha.